Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. Alors les enfants, à présent, c'est la dernière leçon que l'on fait sur le bon comportement à avoir envers sa maman. Et là, on va voir que notre maman, elle a un droit et une grande importance. Donc là, on va donner, vous pouvez vous asseoir, là, on va donner quelques conseils afin, quelque chose, afin d'être bon envers sa maman. Première des choses, retenez les enfants, comptez avec moi. Première chose, on ne doit pas appeler sa maman par son prénom. Tu ne dois pas appeler ta maman, si ta maman, elle s'appelle... Aziza, tu dis pas Aziza, ou là si elle s'appelle, hein? Si ta maman elle s'appelle Mariam, ou ta maman elle s'appelle Souad, ou ta maman elle s'appelle Selima, ou ta maman elle s'appelle Hamida, peu importe, tu n'appelles pas ta maman par son prénom. Également, exactement, ta maman c'est pas ta copine, exactement ça. Et la même chose pour le papa. Tu n'appelles pas ton papa. Tu dis pas, hey, Yassine, viens ici. Ou hey, Hassan, viens ici. Hey, Mabrouk, viens ici. Hey, Hamza, viens ici. Non, d'accord. T'appelles pas ton père et ta mère par son prénom. Non, tu l'appelles Abi. Tu l'appelles Oumi. Tu l'appelles Abati. D'accord. Ensuite... Également, tu ne l'appelles pas par sa kunya. Un exemple, comme moi, les frères à la mosquée, ils m'appellent Abou Sirin. Mais est-ce que, parce qu'Abou Sirin, parce que ma première fille, elle s'appelle Sirin. Donc on m'appelle Abou Sirin. Mais est-ce que mes enfants, ils vont me dire, Abou Sirin, viens. Non. Non. T'as compris? Ils vont m'appeler Abi et ils vont appeler leur maman Oumi. D'accord? Ensuite, deuxième chose. Tu ne t'assois pas avant ta maman. Quand vous allez vous asseoir quelque part, tu la laisses d'abord, elle s'assoit, elle choisit la place où elle veut, ensuite tu t'assois. Également, tu ne marches pas, comptez en même temps, on est à la troisième, tu ne marches pas devant ta maman. Tu ne marches pas devant ta maman, tu marches toujours derrière ta maman. Ou à côté de ta maman. D'accord? Quatrième chose, à chaque fois que tu vois ta maman, tu dois lui faire un sourire. D'accord? C'est pas comme on l'a dit l'autre jour, tu arrives et tu boudes et tu pleures et dès que ta maman elle te voit, t'es triste. Non. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu souris. Et tu peux l'embrasser. Soit tu embrasses sa main, soit tu embrasses son front, soit tu l'embrasses par respect envers ta maman. D'accord? Donc retenez ces cinq choses-là, les enfants. On va donner d'autres choses aussi très importantes. Lorsque tu demandes quelque chose à ta maman ou tu lui demandes de faire quelque chose, tu dois toujours lui demander de la meilleure manière pour pas la blesser. Lorsque ta maman, elle t'invite, eh ben, tu dois répondre à son invitation. Le jour où tu n'habiteras plus dans la maison de ta maman, quand elle t'appelle et elle te dit ah, « viens manger à la maison » ou « viens me rendre visite », dans ce cas-là, tu dois y aller et tu dois être content d'y aller. Si ta maman, elle a faim, tu lui ramènes à manger. D'accord? Si elle a besoin de quelque chose, tu lui ramènes. D'accord? Tu lui donnes tout ce qu'elle souhaite avant même qu'elle le demande. Des fois, tu sais, je vais vous donner un exemple. Ta maman, elle va sortir. Ben, elle va avoir besoin de quoi quand elle va sortir? De ses chaussures, de son hijab, de son jilbab, de ses clés. Et tu lui ramènes. Tu lui ramènes avant qu'elle le demande. Ça fait partie du bon comportement. Moi, je fais D'accord?
Voilà, regarde, toi tu fais le ménage avant qu'elle te le demande. Ça, ça fait partie du bon comportement. D'accord? Sois pour ta mère comme un servant. Comme un servant obéissant qui travaille pour elle. D'accord? La même chose, quand tu manges, et tout ça, c'est un résumé de ce qu'on a vu dans toutes les leçons. Quand tu manges, tu ne manges pas avant elle. Et quand tu bois, tu ne bois pas avant elle. D'accord? Fais beaucoup de dua pour ta maman. D'accord? Fais beaucoup de dua pour ta maman. Tu demandes à Allah de lui pardonner ses erreurs et de lui faire miséricorde tous les jours et toutes les nuits. D'accord? Des fois, ta maman, ben, elle va se mettre en colère, elle va s'énerver, elle va être fatiguée. Même ta maman, des fois, elle va faire des erreurs. Et ben toi, tu ne dois pas compter ses erreurs. Tu dois faire semblant de rien et ne pas lui en vouloir. Ne parle jamais en mal de ta maman à quelqu'un d'autre. D'accord? Que ce soit à l'école, que ce soit, peu importe, à la mosquée, à l'école, au sport, au centre, quand quelqu'un te pose des questions sur ta maman, tu dis que du bien. Ce qui est à la maison, il reste à la maison. D'accord? Si ta maman, elle a crié, ou si ta maman, elle t'a puni, t'as pas besoin d'aller le dire à tout le monde. D'accord? Exactement. D'accord? Également, tu dois lui faire plaisir. Tu dois la respecter et tu ne dois pas croire que tu es plus fort ou que tu es meilleur que ta maman parce que n'oublie pas que tu étais dans son ventre à elle. Donc, notre but et le but de toutes ces leçons, c'est qu'on va rendre heureuse notre maman. On va avoir un bon comportement avec notre maman. On va faire des duas pour notre maman. Et on va demander à notre maman de faire des duas pour nous parce que lorsque la maman fait des duas pour son enfant, Allah tabaraka wa ta'ala va exaucer ses invocations. Ça vous a plu les enfants? Oui. Étudiez ces leçons sur la maman? Oui. Qui va avoir un bon comportement avec sa maman? Donc on va demander à Allah, tabaraka wa ta'ala de nous aider à avoir un bon comportement. Répétez Allahumma. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رب العالمين.